Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler musique et plus particulièrement d'un artiste qui s'appelle Grand Corps Malade. C'est un chanteur qui pratique le slam. Alors, qu'est-ce que c'est le slam? Ça ressemble un petit peu au rap, sauf que sur le slam, le chanteur récite ses paroles comme dans une poésie et il n'y a pas forcément de rime et il n'y a pas forcément de musique derrière. Donc Grand Corps Malade est un slameur. Et pourquoi je vais vous parler de lui? Eh bien parce que je trouve que pour des gens qui apprennent le français, Grand Corps Malade est absolument parfait. Juste avant de vous parler musique, je me présente, je m'appelle Aurélie et je propose des vidéos à ceux qui apprennent le français pour les aider à développer leur vocabulaire et à améliorer leur compréhension orale. Donc là, nous allons parler musique avec Grand Corps Malade. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, quel est l'intérêt du slam pour ceux qui apprennent le français? Déjà, les paroles sont récitées comme dans une poésie. Les mots sont très très bien articulés. Donc, vous avez une bonne compréhension de ce que le chanteur veut dire. Ensuite, il y a du vocabulaire varié et les chansons parlent de thèmes importants. Donc c'est pour ça que là je vais vous parler de Grand Corps Malade à travers deux exemples de chansons. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Alors la première chanson de Grand Corps Malade dont je vais vous parler, c'est un duo qu'il a fait avec la chanteuse Louane. Ça s'appelle Derrière le brouillard et c'est une chanson qui est parue vers février 2021, qui fait un tabac sur les ondes, c'est-à-dire qui énorme, enfin qui passe beaucoup beaucoup à la radio française. Et cette chanson a été, enfin le clip de la chanson a été tourné à la fois à Boulogne-sur-Mer, dont est originaire Louane, et aussi à Saint-Denis, d'où vient Grand Corps Malade. Cette chanson parle des moments difficiles qu'on a tous dans notre vie et de l'aide que peut apporter la musique et la chanson dans ces moments-là. Donc je n'ai pas le droit de vous passer la musique sur cette vidéo à cause des droits d'auteur, mais je vous mets le lien du clip officiel ainsi que les paroles de la chanson dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et comme ça vous pourrez regarder le clip. La deuxième chanson dont je voudrais vous parler, c'est aussi un duo que Grand Corps Malade a fait avec Camille Lellouche. La chanson s'appelle Mais je t'aime et comme son nom l'indique, c'est une très belle chanson d'amour où les deux artistes articulent vraiment bien les paroles. Donc je vous invite à aller voir également le clip. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces chansons, si vous connaissiez le slam et tout simplement ce que vous pensez de ces deux chansons. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao.